Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous parler du connecteur Skileos. Alors, Skileos, c'est une plateforme qui propose de nombreux cours vidéo en ligne sur divers sujets. Dans Bokeh, on peut moissonner des notices de Skileos pour avoir une recherche fédérée. Et on a aussi un accès SSO qui permet à l'abonné de se connecter au site Skileos depuis le site de la médiathèque sans avoir à s'identifier. Pour configurer la recherche fédérée, il faut que la tâche planifiée moissonner catalogue Skileos soit activée tous les jours. Donc ici c'est mon cas. Si vous venez de l'activer, il faudra attendre que la planification soit effectuée, souvent la nuit, via Cosmogram. Donc une fois que la planification est effectuée, vous allez dans Collection et vous allez trouver les cours en ligne Skileos. Ici j'en ai 102. Nous avons là aussi la possibilité de les éditer pour pouvoir enrichir les cours. Donc, une fois que vous avez configuré la recherche fédérée, il ne faut pas oublier de donner les droits aux utilisateurs. Donc, il faut créer un groupe utilisateur qui a... Donc, si vous allez dans Droits, qui a bien le droit bibliothèque numérique accéder à Skileos. Voilà, c'est tout pour la configuration. Maintenant, je me déconnecte. Donc ici, vous pouvez voir un kiosque en mode mur avec différents cours Skileos. Si je fais une recherche sur champ, par exemple, je vais avoir plusieurs sujets puisqu'on indexe les sujets. Donc là, je vais avoir le sujet art et musique, loisirs, bureautique. Je peux donc cliquer sur la notice initiation au champ. On retrouve les informations de titre, d'auteur, de sujet, un petit résumé. Et puis, on a le lien vers la ressource numérique. Donc si je clique sur le lien, on va me demander de m'authentifier. Donc là, je vais m'authentifier avec un compte qui est dans le groupe autorisé. Et voilà. J'accède directement à la ressource, je suis sur le cours que j'ai sélectionné et je peux le consulter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bokeh. À bientôt.